I stare out the window, heavy on my pillow. Right from the get-go, nothing's good without you. She's a red like her, don't know her like her. Somewhere lost in my heart is a picture of you and I in blue. What can I do? Everyone thinks I'm great apart from you. Sky flows, nothing simple now that I'm running after you. This life has an echo, I can hear it if I let go. She says she's a no-no, but I hope I can change her mind. But in my mind's eye, I can see myself fly, flying over to you. What can I do? T'as d'autres pantalons? Non. Silence, ça tourne. Ouais, on est parti, on est bien parti pour deux jours de rando proche du Mont Blanc. Là, on est en train de monter au chalet de refuge de Platé. Alors, on est 10 du groupe des tipeurs de Monty Reflex. Et on a tous réussi à arriver presque au sommet. Il nous reste une petite dizaine de minutes et on devrait arriver. Normalement, on devrait avoir des orages ce soir. Alors, on croise les doigts pour avoir un coucher de soleil. On va voir. Donc on a une belle vue pour le moment sur une partie du Mont Blanc. Et puis on a un bon groupe, alors c'est vachement sympa. Oui. Alors toute la région ici c'est du calcaire qui a été creusé par l'eau. Et donc ça fait vraiment des stries vraiment assez impressionnantes. D'ailleurs il ne faut pas venir trop marcher ici en hiver. Ces crevasses font vraiment des très belles lignes directrices qui amèneraient sur la montagne. Et maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait un peu de lumière. Donc ça, ça ferait vraiment une très belle photo. À voir si on arrive à avoir un petit truc au coucher de soleil de ce côté-là ou au lever de soleil de l'autre côté. Alors, tout le monde est encore là et puis tout le monde est content, plus ou moins. Plus ou moins vivant, content. Ouais, content, ouais. Content. C'était rock'n'roll. Ouais, bien rock'n'roll. Everyone thinks I'm great apart from you. On est prêt à repartir dans la vallée maintenant. Heureusement, la pluie a cessé au milieu de la nuit. On a pu faire une ou deux photos de paysage. J'ai tenté, la lumière n'était pas top, mais faire des photos avec donc, ces lignes directrices et puis des ferns qui étaient au milieu intercalés, ça rendra pas mal en noir et blanc, je pense. Et on a vu quelques bouquetins qui étaient un peu loin, mais surtout une marmotte qui était assez proche. Donc ça, j'ai pu faire une photo assez sympa. Maintenant, on descend dans la vallée, on va prendre un pique-nique et on remonte au lac des Mossons pour la suite. Alors on est en train de redescendre et Sylvain va nous expliquer ce qu'il va juste faire maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah en fait j'aimais bien le chalet là-haut, alors je vais remonter voir et puis bon peut-être qu'il y aura mon téléphone là-haut aussi. Voilà, on attend Sylvain qui est en train de remonter chercher son portable et entre temps on a une photo assez sympa avec Baptiste qui est allé sur un petit monticule là-bas, un petit promontoire. Et donc depuis ici nous on a une belle vue avec la brume et puis les falaises derrière, ça rend vraiment top. On est parti pour la deuxième partie, le lac des Mossons. Bon, on est bien sous la pluie, mais ça commence un peu à s'arrêter. Il y en a même qui ont enlevé la capuche. Donc là, on va monter un tout petit peu plus haut au deuxième lac, le plus vieux lac. Puis on, avec un peu de chance, ça va se découvrir. On va avoir quelques beaux rayons. Il y en a déjà quelques-uns. Bon, ils sont partis, les rayons. Mais on va voir comment ça se dégage ou pas.
Alors, dernière matinée, on s'est levé un peu après le lever du soleil. On espère là que on a déjà une ambiance sympa, mais on espère que le soleil va percer, mais j'y crois un peu de moins en moins. Sinon, on va sûrement monter au-dessus du barrage. Là-haut, il y a un lac sympa. Baptiste est allé voir hier soir. Il avait encore du courage. Il est vraiment d'un bleu très profond de ce qu'il nous a montré. Alors, on espère qu'on pourra faire quelque chose. Par contre, il a l'air d'être vraiment dans la brume maintenant. Donc, ça va être petit déjeuner, je pense, dans pas longtemps. Et puis, après, on va voir ce qu'on peut faire. Funny how this life goes. How the air in the sky flows. Nothing simple now that I'm running after you. This life has an echo. I can hear it if I let go. She says she's a no-no, but I hope I can change her mind. But in my mind's eye, I can see myself fly, flying over to you. What can I do? Everyone thinks I'm great apart from you. Alors, le week-end est fini, le plan choisi, ben, il est choisi par Baptiste, donc s'il ne vous plaît pas, c'est de sa faute. Hein. Si jamais il a fait une vidéo aussi au drone, il fait surtout une vidéo vlog au drone, il drone bien mieux que nous. Sa chaîne, c'est Drone Légende, donc allez voir. C'est vraiment un super week-end, le temps a été quand même clément, on a eu un peu de pluie, mais finalement ça a donné des ambiances assez sympas. On a eu quelques soucis de matériel oublié dans les cabanes, mais ça s'est bien passé. J'espère qu'on arrivera à faire ça un jour tous ensemble. J'espère que ça vous a plu, alors à bientôt. Ciao. Salut.